Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 25 février 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Petite information aussi, je serai absent lundi, par conséquent, il n'y aura pas de briefing des marchés. Je vous retrouverai à partir de mardi. Maintenant, direction les marchés où on constate une petite accalmie, ce qui permet aux indices de reprendre un peu de hauteur. Surtout à Wall Street, hier, on a eu quand même une séance assez folle, j'ai envie de dire. Un peu deux salles, deux ambiances. Hier, on a débuté hier matin avec des indices un peu dans la panique. Et puis, à l'ouverture, à 15 h 30, les US ont complètement renversé le mouvement. Et les indices américains ont même réussi à clôturer dans le rouge, dans le vert, pardon. Pourtant, on avait une séance qui avait quand même très mal commencé, notamment avec de nouvelles de sanctions contre la Russie, après le lancement, comme vous le savez, de l'offensive militaire de Moscou en Ukraine, ayant traîné un peu un mouvement de panique sur les marchés, notamment européens. Néanmoins, après avoir consulté les autres pays membres du G7, Joe Biden a annoncé une nouvelle série de mesures visant à limiter la capacité de la Russie à faire des affaires dans les principales devises du monde. Et ce nouveau train de sanctions vise en particulier les banques et des groupes publics russes. Derrière, on a quand même eu, suite à l'annonce de Joe Biden, une remontée assez impressionnante des indices, étant donné que les opérateurs jugeaient qu'il y avait eu une absence de mesures très fortes, notamment la non-exclusion de la Russie du réseau interbancaire SWIFT. Donc, ce qui a permis en fait de rassurer les indices et aussi de permettre ce puissant rebond. D'un autre côté, en parallèle, il y a aussi la politique monétaire qui joue, on fera le point dans la partie macro, puisque les opérateurs maintenant s'attendent très clairement à une hausse de taux de seulement 0,25 points de base, et non pas 50 points de base, comme c'était le cas il y a encore 2 semaines. Donc forcément, un tour de vis moins sévère et des sanctions pour l'instant jugées légères permettent aux indices de reprendre un peu de hauteur. Ce matin, effectivement, eh bien, on prolonge le rebond qu'on a eu hier à Wall Street. Néanmoins, on n'efface quand même qu'une toute partie des pertes depuis le début de la semaine. Et les craintes quand même concernant la Russie et l'Ukraine demeurent encore quand même assez fortes. À ce jour, dans ce conflit, on a quand même eu plusieurs dizaines de personnes qui ont été tuées depuis le début de l'attaque, tandis qu'environ 100 000 personnes ont quand même pris la fuite, alors que des explosions et des échanges de tirs secouaient encore les grandes villes ukrainiennes ce matin. Néanmoins, comme je vous le disais, les grandes puissances occidentales ont annoncé une nouvelle série de sanctions contre Moscou en riposte à l'invasion militaire. Néanmoins, le fait que ces sanctions ne soient pas encore très sévères, très strictes, rassure les investisseurs, en tout cas à court terme, qui estiment toujours, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent, que on n'aura pas une escalade des tensions. Bien au contraire, on met des sanctions un peu légères dans le but finalement de laisser la voie diplomatique ouverte, dans l'espoir que justement, au cours des prochaines heures ou des prochains jours, Moscou emprunte finalement ce chemin, trouve un accord, si j'ai envie de dire, avec les grandes puissances économiques via la voie diplomatique pour éviter que les tensions s'enveniment encore plus dans les jours à venir. Bien évidemment, ce conflit ne va pas se résoudre en quelques jours, mais le fait quand même de laisser la porte ouverte à la voie diplomatique, ça permet en tout cas d'éviter le pire sur les marchés. Et quand même un peu de soulagement et un rebond pourrait se mettre en place.
Néanmoins, il va falloir quand même rester très attentif aux discours et aux discussions qu'on va avoir au cours des prochains jours, et notamment durant ce week-end. Côté macro, aux États-Unis, on surveillera quand même le revenu et la consommation des ménages en janvier. L'indice des prix PCE en janvier et les commandes de biens durables seront publiés justement à 14h30. Enfin, on aura les promesses de vente immobilière et la dernière estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en février qui seront, elles, publiées à 16h. Donc, quand même, des indicateurs assez importants, notamment l'indice des prix PCE à 14h30, qui pourrait de nouveau créer, à mon avis, pas mal de volatilité, en plus du conflit et de la crise en Ukraine. Côté macro, justement, je vous disais qu'on avait un peu un bol d'air sur les marchés, notamment via le discours d'une part de Joe Biden, qui, malgré les sanctions, comme je vous le disais, les opérateurs ont jugé qu'elles n'étaient pas si sévères que ça, et notamment l'absence de mesures très fortes avec la non-exclusion de la Russie du réseau interbancaire SWIFT. Donc ça a permis le rebond, mais aussi en parallèle, en fond, la politique monétaire de la Fed à venir. En tout cas, le resserrement de politique monétaire, puisque la prochaine réunion de la Fed est convenue le 16 mars et il y a encore quelques semaines, les opérateurs tablaient vraiment sur une hausse de 50 points de base. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 17%. Vous voyez? Il y a encore la veille, on était à 33 et malheureusement, je n'ai pas les données d'il y a 2 semaines, mais on était encore à plus de 33, on avait dépassé les 50%. Effectivement, il y a un mois, on était seulement à 5%, mais avec les derniers chiffres de l'inflation qui sont tombés, finalement, les opérateurs anticipaient très clairement une hausse de 50 points de base. Maintenant, avec le conflit en Ukraine, forcément, je vois mal la Fed adopter une politique monétaire très agressive. Ça risquerait vraiment de faire tanguer les marchés encore plus et créer véritablement un accident. Donc là, pareil, finalement, on constate que depuis quelques jours, on était encore à 33-40% et on n'est plus qu'à 17,2. Donc globalement, si tout se passe bien, la Fed va certes procéder à un tour de vis dans sa politique monétaire, mais on devrait, dans un premier temps, avoir qu'une seule hausse de 25 points de base. Ensuite, on verra bien entendu où en est la situation en Ukraine d'ici là et bien évidemment comment les indices vont encaisser cette première hausse de taux dans un environnement de marché assez nerveux et assez volatile surtout. Et là, petite coquille, autant pour moi, j'ai oublié de modifier le titre. C'est tout simplement l'indice VIX de la volatilité pour permettre de vous situer un peu dans cet environnement de marché. Et donc, effectivement, le fait que la Fed augmente ses taux dans un environnement de marché assez complexe, tendu, pourrait créer effectivement et créer des incertitudes. Et voilà pourquoi il est important pour elle de ne pas trop surprendre le marché. Car autant on aurait un VIX à ras les pâquerettes ici, mettre 50 points de base, bon, le marché n'aurait peut-être pas les reins suffisamment solides à court terme pour encaisser cette hausse un peu brutale. Mais le fait qu'on soit quand même sur un VIX à 33, mettre 50 points de base, ça pourrait vraiment créer quelques secousses. Donc là, on est quand même dans un marché très tendu. Si on prend un peu des points de repère avec la crise des subprimes, on avait quand même un VIX qui est monté à 90. La crise de la dette en zone euro, on était monté aux alentours de 48 et quelques. Et par ici, le Covid, pareil, 85. Et actuellement, on est aux alentours
des 33. Je crois qu'on est même retombé un peu, mais globalement, on reste très clairement dans un environnement de marché assez, comme je vous le disais, tendu, nerveux, d'où l'importance, si vous faites du trading, d'adapter votre money management et votre gestion du risque. Effectivement, je le redis, la volatilité est un atout indéniable, encore une fois, pour les traders. Ça permet vraiment de réaliser des gros mouvements avec de belles amplitudes. Néanmoins, dans ces périodes brusques, avec des mouvements erratiques, accompagnés de soubresauts, j'ai envie de dire, eh bien, il convient d'adapter son money management et surtout de travailler les grosses zones clés, comme on a pu le voir sur les indices. On refera le point dans la partie technique juste après, notamment sur le DAX. Mais en cette période de forte volatilité, généralement, on n'arrête pas le trading, bien au contraire, mais on diminue un peu l'effet de levier et on essaye surtout d'intervenir sur des grosses zones pour justement derrière avoir de belles amplitudes de marché et pouvoir vite sécuriser ses gains. Généralement, l'intraday est aussi recommandé, étant donné que, comme on a pu le voir hier, en overnight, on peut vite se retrouver parfois avec des indices qui gapent de 2-3%, comme c'était le cas ici durant le Covid. D'où l'importance vraiment, d'adapter ses positions et de bien gérer son effet de levier. Concernant la partie technique. Avant d'aller sur le Forex, allons voir le CAC 40. Place au rebond, comme je vous le disais. Je vous parlais de la zone à surveiller sur le CAC aux alentours des 6450, 6415. Bon, on est venu faire 6430. Il ne manquait pas grand-chose. Effectivement, j'aurais aimé qu'on vienne un peu plus bas taper dans cette zone. Pourquoi pas même prendre appui sur la borne basse du canal. Là, actuellement, on a quand même un rebond qui est en train de s'enclencher. Je ne sais pas si on va aller chercher l'objectif théorique de cette épaule, tête, épaule. En tout cas, pour l'instant, elle est toujours bien active. Maintenant, on est plutôt dans un rebond. Donc là, pour moi, un niveau pour tenter de vendre derrière sur un signal. Car là, effectivement, acheter ici, c'est trop tard, notamment après plus de 250 points de hausse. Donc, tenter un repli de marché par ici. Hop, vers les 6774. Voyez, ça coïncide avec mon platen can. Ascreux qui est juste ici, donc on pourrait avoir un gros range de consolidation dans un premier temps. Donc le niveau là qui va m'intéresser à court terme, c'est voilà cette zone. Et pourquoi pas évoluer dans un range dans un premier temps, en tout cas avoir un repli de nouveau sur les 6570. Donc là, si on bascule sur les unités de temps un peu plus courtes, vous voyez que le niveau des 6774, ça correspond parfaitement au platen can et au plaqué de joue. Donc là, à voir derrière si la MM horaire 50 pourrait redescendre doucement, enfin assez rapidement même, j'ai envie de dire. Mais effectivement, j'ai ce scénario de range, de consolidation à venir. Donc pour ma part, je ne vois pas de short avant ce niveau. Après, on a un deuxième gros niveau qui est juste au-dessus. Mais à court terme, c'est vraiment à la zone 6667, 6680 qui va m'intéresser pour tenter juste une seule fois un short. Voilà, je déconseille vraiment de tenter à plusieurs reprises. Si on a une fois un repli, qu'on remonte. Ça risque d'être plus compliqué de tenter une deuxième tentative. En tout cas, à court terme, on est quand même sur une belle zone. J'essaye de cadrer la hausse, vous voyez, dans ce canal.
Alors, attendez, je vais le retracer. Belichimoku parce que ça aimante avec ma droite de tendance les composantes. Ouais, à peu près comme ça. On a quand même pas mal de mèches, mais ça permet, si vous voulez, de cadrer un peu cette reprise haussière qu'on est en train de faire. Donc là, l'idéal, ce serait vraiment qu'on revienne taper la borne haute de notre canal. Si vous voyez un signal technique de retournement, un avalement, eh bien pourquoi pas tenter une petite vente dans un premier temps avec un stop loss juste au-dessus pour viser un repli sur la borne basse du canal. Et si cette dernière est amenée à casser, viser les 6570. Et après, si on casse ce niveau, pourquoi pas aller chercher un peu plus bas. Mais pour l'instant, je vois mal le marché se retourner. On est quand même dans une belle séance flux. Les acheteurs gardent la main. Par conséquent, j'attends un niveau technique pour espérer un repli de marché. Et donc, ce niveau, pour moi, se situe par ici. Maintenant, notre plaque jaune, beau niveau de résistance qu'on a pu le voir en daily. Donc, si ce niveau, on a le moindre signe de faiblesse par ici, eh bien, un short, un stop loss au-dessus, TP1, TP2. Le DAX, vous voyez les zones vraiment très importantes à surveiller. Le DAX, je vous disais, et on l'a fait sur les futurs, de surveiller ce niveau. Pour moi, on avait une très grosse zone ici. On est venu à quelques points près la chercher. Mais globalement, c'était une zone clé. Voilà. D'où l'importance de vraiment bien tracer vos zones sur vos graphiques. Voilà, je vous disais, c'est le bas du nuage ici et le top qui est juste là. Donc effectivement, c'était 13 800 et au plus bas, on est venu faire 13 807. Mais bon, je considère que la zone a été atteinte. Derrière, beau rebond quand même de 500 points. Maintenant, acheter ici, forcément, c'est un peu tard. Place au rebond. Et concernant le DAX, j'ai une zone de short qui m'intéresse bientôt vers 13 355. Alors attendez, faut que je remette l'Ichimoku. Donc là, on a les 13 415. Effectivement, ça pourrait bloquer. Venir combler ce gap. Donc là, pareil, je m'attends à ce qu'on vienne quand même combler ce gap. Ensuite, en donner 4 heures. Voilà. Pareil que pour le CAC. Pour moi, il y a une belle zone qui m'intéresse pour tenter une seule fois un short. C'est par ici. Voilà, c'est cette zone-là. 13 360, 13 418. Voilà la zone qui m'intéresse pour tenter une petite vente. Et derrière, pourquoi pas consolider dans un range. C'est déjà fini d'en donner horaire. C'est la même chose. Voilà, notre player Kijun, la MM50 horaire qui arrive doucement. Mais pour moi, on est potentiellement une première zone où on peut tenter un short pour viser un petit repli de marché. Si elle casse derrière, on laisse faire le marché, on attendra plus haut pour vendre. Bon, en tout cas, là, acheter maintenant, c'est trop tard. L'idéal, c'était de se positionner en bas, prendre quelques points. Maintenant, on arrive proche d'une zone. Le potentiel paraît limité, comme sur le CAC. Par conséquent, la tendance, elle, demeure baissière. Donc, pourquoi pas chercher une vente sur ce niveau, encore une fois, sur un signal clé. Le Dow Jones. Alors, je pensais qu'on allait ouvrir sous le gap. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En tout cas, ce ne fut pas le cas hier. J'évoquais avec vous ce fameux gap ici. Et vu la baisse qu'on avait sur les futurs, je m'attendais très clairement à ce qu'on ouvre sous le gap par ici. Je disais, bon, c'est le niveau à aller chercher derrière, le gap sera tellement violent que le marché et de mémoire, il va venir combler ce gap. Bon, finalement, on a ouvert au-dessus, mais bon, on est quand même venu combler ce gap. Derrière, puissant rebond. Alors sur le Dow Jones,
Pareil, j'ai envie de l'attendre un peu plus haut pour tenter de le vendre. J'ai hâte de voir la clôture déjà hebdomadaire. Voir comment j'ajuste mon range. Pour rappel, je vous disais, la difficulté réside sur le Dow Jones de savoir si notre range c'est celui-ci ou celui-là. Hop, avec la mèche basse. Auquel cas, effectivement, on sauverait encore une fois la borne de basse du range. Pour l'instant, je vais le laisser ici, étant donné que c'est là où j'ai le plus de points de contact. Mais quand je vois le rebond, je me dis qu'on pourrait, je risque de devoir ajuster le range. Maintenant, la zone qui m'intéresse sur le Dow Jones, éventuellement pour tenter une dernière vente, c'est ce niveau-là. Voilà, 33 550. Là, on a un beau niveau. On est venu chercher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On était quand même très aimé de la Tenkan. Le rebond pourrait se poursuivre, mais pareil, pour viser un petit repli, pourquoi pas 33 600, 33 550. Si j'ai de nouveau retracé un fibo en prenant le point haut, si je prends la dernière vague de... Ok, tant là le niveau est quand même déjà plus pertinent. Si je prends la grande vague de baisse, effectivement, ce niveau-là, on retourne à les 23,6, ok, mais on ne s'aligne pas parfaitement avec les niveaux de Fibonacci. Le 38,2 est pas mal. Le 50 aussi, mais ici, je suis un peu tiraillé. Effectivement, si on prend cette vague de baisse là, le niveau des 23,6 s'aligne parfaitement, le niveau des 38,2 parfaitement avec la zone, les 50 quasiment parfaitement, et pareil pour les 61,8. Donc là, on a quand même des niveaux pertinents. Donc, place au rebond. Par conséquent, j'attendrai à votre place un retour sur ce niveau pour tenter une vente. Un peu comme voilà, sur tous les indices, je trouve qu'il manque pas grand-chose, mais que là, payer ici, c'est trop tard. Au moins attendre cette cassure pour confirmer l'ampleur du rebond. Dans ce cas-là, on ira chercher plus haut. Mais à court terme, si on ouvre, je pense qu'on pourrait aller chercher les 38. Voilà, c'est un beau niveau qui m'intéresse. 33 550, comme on a pu le voir. C'est une belle zone de prix. Donc pourquoi pas venir chercher ce niveau pour tenter une vente et revenir sur les différents niveaux de support. On est légèrement dans le rouge. Sur les futurs, je vais nettoyer le graphique. Je vais refaire exactement la même chose ici. Là, on est sous notre zone. Pourquoi pas aller chercher un peu plus haut? Ce serait effectivement par ici. Si je remets mon fibo par là, ok, ça donne ce niveau-là. Effectivement, on a quand même un niveau assez sympa à aller chercher, avec la MM4 heures qui arriverait droit dessus. Donc là, pour moi, ce serait le dernier niveau pour tenter une vente. Après, j'arrêterai de chercher des ventes si on break ce gros niveau-là. Pour l'instant, on est sous zone, à voir comment on réagit à l'open. Effectivement, on a quand même eu une grosse mèche basse. Et j'évoquais avec vous hier en vous disant, en fait, on est venu faire un pullback sur cette oblique. On avait notre porte-voix ici. Pour l'instant, on est venu pullbacker. Et effectivement, si je dois réajuster le range ici, on sauve la borne de basse du range. Donc, rien n'est fait. C'est pas sûr qu'on ait une grosse accélération baissière derrière. En tout cas, en données daily, j'attends de voir les chiffres à 14h30. Mais comme je vous le disais, ce serait de retourner par ici. Voilà, le plan, même pour la semaine prochaine, si on a tapé ce niveau, venir taper ce niveau pour tenter une dernière vente. Voilà.
33 540, 33 630. Voilà pour moi la zone qui m'intéresse pour tenter une dernière vente. Si elle casse, par contre, là j'estime qu'on réintégrera en tout cas le range et qu'on pourrait avoir un mouvement plus grand. Pourquoi pas de nouveau retracer les 61,8, comme ce fut le cas ici. On avait retracé 61,8 avant de rechuter. Donc là, pareil, dernière vente pour moi ici. Si ça casse, j'attendrai plus haut le Dow Jones. L'euro dollar. Belle réaction finalement sur la bande basse de ce range. Je vous disais hier que j'étais pas fan de ce niveau vu la tête de la bougie flux. Et effectivement, on a eu une belle chute derrière. On est venu taper la bande basse. Peut-être que certains ont saisi l'opportunité pour se positionner dessus. On a quand même un énorme avalement haussier qui s'est formé. Bon. Pour l'instant, ça tient. Logiquement, ce serait d'aller chercher les 1,1270. Je trouve qu'après rentrer ici avec un stop loss en dessous, ça fait un stop très large pour aller chercher seulement ce niveau. Peut-être que certains ont affiné sur des unités de temps un peu plus courtes. Voilà, avec l'avalement horaire qu'on avait eu, par exemple, bel avalement horaire sur la borne basse du range. Vous voyez, comme ce fut le cas ici, derrière, c'était reparti. Donc, pour moi, plutôt haussier sur l'euro pour l'instant, tant qu'on ne break pas les 1,1180. Je considère qu'on a eu un beau rebond, pullback sur la zone, c'est en train de repartir. Pourquoi pas aller chercher les 1,1270? Maintenant, si on break ce niveau, j'attendrai de nouveau un retour sur les 1,1180 pour tenter une nouvelle fois un achat. Mais là, j'ai l'impression que on reprend de la hauteur. On s'est fait une frayeur, que les gros niveaux, la borne basse du range a tenu. Et donc, qu'une nouvelle rotation des prix pourrait s'opérer sur la paire. Donc, invalidation de la rotation si on break les plus bas. Sinon, dans l'idéal, là, c'est d'aller chercher les 1,1270. Et pourquoi pas remonter derrière un 13,70. Là, ça me semble un peu plus compliqué, mais l'idéal, ce serait, voilà, effectivement, si vous avez réussi à payer ce marché en données horaires ici, mettez votre stop à break-even et allez chercher les 1,1270. Le GBP AUD, le TP1 était fait, la zone cassée, on avait déjà pris des bénéfices hier, je vous disais, bon, les marchés sont nerveux, compliqués, payez-vous, c'est important. Maintenant, je constate qu'on est en train d'enfoncer ma moyenne mobile 200 périodes, que notre TP1 que le TP1 a été fait. Retrace ma zone, voilà. Que le TP1 a été fait. C'était surtout en données 4 heures. Voilà. TP1, c'était ce niveau-là. Fait. Prenez des bénéfices si ce n'est pas déjà fait. On est en train de casser ma zone. Donc là, on avait déjà mis le stop ABE, mais je pense voilà, qu'on peut baisser le stop, vous voyez, sous l'acquis de jour. Donc juste ici. Voilà. Donc là, vous mettez même un stop win. Et au fur et à mesure que l'acquis de jour va descendre, il faudra penser à baisser le stop. Ainsi de suite. Donc là, si on casse bien sous la zone, je pense qu'on pourrait même derrière bien diminuer le stop, étant donné que si on repasse au-dessus de cette zone, ça invalidera le TP2. Mais donc, pour l'instant, en attendant la clôture weekly et daily, stop loss ici, sous la zone, et je viens de tracer la deuxième zone qui correspond pile poil avec l'objectif théorique. Donc deuxième zone à aller chercher aux alentours des 1,9410, 1,9440 pour venir prendre votre TP2. Quelle paire je devais vous présenter? Le GBP/IN, effectivement, rapidement hier. Pareil, là, c'était pas évident, je le reconnais. Deux scénarios possibles, le range ou le double top.
La condition du double top, c'était bien évidemment d'avoir une clôture sous MM200. On est venu chercher la MM200 derrière grosse remontée. Bel avalement 4 heures, mais c'est pas jouable. D'un point de vue trading, autant on a un avalement ici, bon, ça fait un stop juste en dessous, ça laisse de la place, beau ratio. Là, l'avalement ici, stop loss en dessous pour aller chercher quoi? Milieu de range, il n'y a même pas un ratio de 1 pour 2. Voilà, on est dans des marchés où il y a de la volatilité. Il faut parfois basculer sur les unités de temps un peu plus courtes pour avoir de meilleurs signaux. Mais même ici, en données horaires, ça faisait quand même un sacré avalement avec un stop loss assez bas. Donc même là, le ratio n'était pas optimum. Peut-être que certains ont tenté. Personnellement, je ne descends jamais en dessous du 15 minutes sur le Forex. Mais la même chose, bel avalement donné 15 minutes et derrière ça a donné un puissant avalement horaire, puis 4 heures. Donc là, assez compliqué honnêtement à prendre. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont réussi ou sont descendus aussi bas sur les unités de temps. Bon, en tout cas, mettez votre stop à break-even et l'idéal, ce serait d'aller chercher le milieu de range ici. Le TP1, 155. 155, 155 ou 155, 40 par ici. Voilà le plan. Mais bon, je reviendrai plus tard si c'est amené à retomber sur cette paire. Pourquoi pas se réintéresser à nouveau. Si elle remonte, tant pis, je tenterai de la voir sur la borne haute. Mais là, pour ma part, je reste sur le bas-côté. L'euro GBP, ça c'est toujours le plan que j'ai envie de surveiller. Et son fameux range hebdomadaire. Bon, on est revenu le taper une fois. C'est vrai que c'est une paire que je n'avais pas surveillée cette semaine, mais rappelez-vous, on avait ce fameux borne basse de range, range annuel. Que j'ai tant évoqué. Le marché était parti une fois sans nous suite aux annonces de la BOE. Et là, j'ai l'impression qu'on est de nouveau dans un range. Juste ici. On a un gros range et j'aimerais bien qu'on retourne en bas pour tenter de payer ce support annuel. Voilà. Si on casse, malheureusement, ça risque d'être compliqué derrière. Mais actuellement, j'estime qu'on a un gros range de consolidation et je reste toujours très intéressé pour payer par ici. Donc à surveiller. Malheureusement, je n'ai pas fait le suivi entre hier et avant-hier. Sinon, je vous aurais quand même dit de surveiller ce bas de range qui reste quand même très pertinent pour payer. Étant donné qu'on est quand même sur un support, voilà, on est sur un énorme support mensuel, mais même annuel surtout. Ici en données hebdomadaires, comme vous pouvez le voir. Et donc, tant que ce niveau ne cède pas, vous voyez, j'ai envie de chercher des achats le plus proche possible des 0,83. Tenter des achats pour jouer un gros rebond. Ici, un jour, j'ai la cassure par le bas. Dans ce cas-là, comblement du gap ici à venir chercher pour moi. Ce serait TP1, TP2 et je viserais même plus bas en TP3. Mais pour l'heure, ça tient, les acheteurs défendent. Mais l'idéal, voilà, pour avoir un excellent ratio, ce serait d'avoir un retour en données 4 heures sur la borne basse du range pour se rapprocher le plus possible des 0,83, 0,82, 85. Le gold. Grosse prise de bénéfice sur le gold. C'était important de se payer. J'espère que vous l'avez fait. Je vous disais quand même que le gold s'était peut-être un peu envolé un peu trop vite hier, mais qu'il fallait se payer. Voilà. On a eu une grosse mèche haute, grosse mèche basse, balle au centre, retour sur les 1910. On n'a même pas réussi à les casser. Donc là, honnêtement, j'espère que certains se sont quand même payés. C'était quand même un super trade depuis les 1850. Ça a donné quand même beaucoup de points, que ce soit les traders ou les investisseurs long terme.
considère qu'un objectif majeur a été atteint. Je visais 1910-1960. L'objectif final, ce serait 2055, mais objectif à plus long terme. Là, en l'espace de 2 semaines, avoir fait un énorme rallye de 100 dollars, c'est juste incroyable. Donc, ajustement des positions. J'espère que tout le monde s'est bien payé sur ce marché. Et ajustement des stop loss. Voilà. J'avais fait remonter tous les stops, que ce soit les traders qui avaient payé sur la divergence ici horaire, les investisseurs plus long terme. On a, pour rappel, on avait la cassure Tenkan Kijun pour les retardataires ici, pour aller chercher les 1960. Ça avait parfaitement fonctionné. Pour eux, je vous disais de mettre le stop à ABE une fois qu'on avait tapé ce niveau. Donc là, vous êtes sorti pour celles et ceux qui ont payé ici en trading. Prise de bénéfice, si elle a été complète, tant mieux. Si elle a été partielle, ben, vous n'êtes pas parti bredouille, mais sorti à BE. Donc, fin du trade pour cela. Par contre, celles et ceux qui étaient rentrés ici, logiquement, vous avez peut-être gardé un petit reliquat. Soit vous avez tout pris. Ce n'est pas interdit, bien au contraire, je peux le comprendre après une telle hausse. Sinon, si vous avez gardé un petit reliquat, eh bien, le stop loss est assez simple à placer en dessous de ces niveaux. Pour moi, on va le laisser tel quel. On pourra le remonter peut-être un petit peu. Voilà, on va le mettre ici. 1874. Et voilà notre niveau, notre zone de polarité. Top de marché. Dans la grosse baisse, on s'est arrêté ici. Donc le stop loss, on le place en dessous. Si vous avez gardé un reliquat, tant mieux. Vous êtes en stop win, vous vous êtes payé, vous avez un reliquat, et maintenant, advienne que pourra. Et il faut espérer que le marché poursuive sur cette lancée, mais dans une hausse plus tenable. C'est vrai que là, on est monté un peu en puissant rallye, le marché avait besoin de souffler. Bon, espérons que ça consolide et qu'on puisse revenir à l'achat plus sereinement derrière. Effectivement, je serais intéressé de repayer le gold si on casse les 1910. Là, pour moi, on a un gros niveau vers les 1910-1912. Et ça se voit. Malgré la grosse mèche de hier, hop, on a clôturé sous ce niveau. Ça fait déjà une, deux, trois, quatre, cinq séances. Par conséquent, si on a une belle séance au-dessus de ce niveau, pourquoi pas payer de nouveau, re-rentrer avec un stop loss sous les plus bas et viser 1960. Voilà le plan global et l'ajustement de position à faire sur ce marché. Le Brent, c'est un peu la même chose. Si certains ont tenté de vendre, bravo à eux. Personnellement, je n'étais pas convaincu. Je trouvais que la hausse était juste impressionnante, mais le marché finalement avait aussi besoin de reprendre son souffle sur cet actif. Et on va clôturer, à mon avis, sous notre zone de résistance. Donc on est venu taper les 110, 105, derrière, gros retour, contre-pied, et on va clôturer sous cette première zone. Donc effectivement, on pourrait avoir un repli maintenant sur le marché pétrolier. Je l'attends un peu plus bas. Bon, à voir si on consolide ici, comme je vous le disais, on est venu taper la zone des 100. Consolider sous la zone un peu plus basse, mais je vais rester à l'écart toujours sur le Brent. Ça reste aussi, ça c'est à discuter là-dessus de toute façon. Maintenant, s'il faut chercher de nouveau des achats, j'aimerais avoir un beau niveau de support, un niveau de support intéressant. Donc là, pour ma part, sur le pétrole, je pense qu'il faut revenir un peu plus tard dessus, laisser le marché digérer tranquillement la hausse folle qu'on a eue hier et voir un peu la tête qu'on aura sur la clôture hebdomadaire pour revenir plus sereinement dessus lundi. Effectivement, si on clôture au-dessus de ma zone à 100, bon, pourquoi pas essayer de chercher des achats à partir d'ici. En revanche, si d'ici ce soir on clôture sous ce niveau, là, j'attendrai vraiment un retour sur des niveaux de support pour chercher des achats. Voilà mon sentiment. Mais pour l'heure, bon, on est encore en plein milieu dans la zone et la clôture hebdomadaire va nous donner pas mal d'indications.
Voilà, très clairement, si on clôture au-dessus, bon, ça montre que les acheteurs ont un peu de force. Si on clôture en dessous, peut-être que le mouvement a besoin de respirer. On pourrait avoir une consolidation, auquel cas, il faudrait attendre un retour sur les niveaux de support pour revenir à l'achat. Ouais, pour l'instant, on est vraiment dans la zone. Donc je surveille en données 4 heures. Mais surtout en données weekly, si on clôture sous le précédent top. Pour l'instant, pas de visibilité sur ce marché. On peut très bien consolider dans un range, comme cela. Et pareil, je passe mon tour actuellement. Un vendredi en fin de semaine, on fera le point mardi en fonction de la clôture weekly. Concernant le light, lui il est revenu sur sa belle zone de support. Mais pareil, on est venu taper les 97, boum, on a réintégré un peu notre zone d'accumulation ou de distribution. Au final, on avait quand même une belle zone d'accumulation. Retour au point de départ, et puis là, indécision pour moi, vous savez, quand on est entre Tenkan et Kijun, on l'a vu longuement sur le gold, rappelez-vous en mensuel, c'était un peu une phase d'indécision, de porte de saloon, de mèche, de faux signaux. Donc, retour à la case départ, rien de presse, allons là où il y a du flux actuellement, il y a du flux sur les indices, il y a du flux sur le forex. Le pétrole a eu son heure de gloire et je pense qu'il pourrait se stabiliser encore quelques jours. Néanmoins, on est au-dessus de notre zone, hors de question de vendre tant qu'on est au-dessus de ma Kijun, très clairement. Si on casse, pourquoi pas, je serais de nouveau intéressé pour payer plus bas. Mais pour l'heure, phase de stabilisation et n'allez pas vous prendre les pieds dans le tapis. Dans ce marché un peu qui risque en tout cas d'être compliqué si on continue à évoluer entre notre Tenkan et notre Kijun. En données 4 heures. Non, rien d'intéressant en données 4 heures. Très honnêtement, voilà, on a des mouvements brusques, erratiques. J'aimerais qu'on ait un retour sur des un peu plus bas. Mais pour l'instant, je vais attendre que le pétrole digère un peu mieux la crise ukrainienne pour revenir plus sereinement sur ce marché. Le BTC qui est venu taper, je l'attendais un peu plus bas malheureusement. Ça fait partie du trading. Bon, quel dommage. Autant l'Ethereum, ça a été très propre, autant le BTC, je pensais vraiment qu'on serait venu taper les 33 000 de nouveau la borne basse du range. Bon, peut-être réajuster mon niveau de support, c'est possible. Ça reste des zones, de toute façon, là j'avais mis un support fixe, juste une ligne, mais effectivement on est sur une zone. Bon, il y avait un plan d'aller chercher la zone avec un stop loss en dessous. Même en données 4 heures, je crois qu'on n'a pas eu de gros signal de retournement. Bon, là, la divergence n'est pas validée, on est repassé par 50. Tant pis. Bon, malheureusement, sur l'Ethereum, le Bitcoin, j'ai pas eu de signal haussier. Je ne sais pas si certains ont tenté des achats, mais en l'absence de signal, difficile de se positionner sur le marché. Maintenant, en données weekly, bon, si on peut retomber sur ce niveau, le plan n'a pas changé en fait. Les niveaux qui m'intéressent pour payer, là, au-dessus des 41 000, hors de question, très clairement, j'attendrai la cassure. Pour rappel, c'est un gros niveau en données weekly, daily, je repasserai après sur une unité de temps plus courte. Mais sinon, le plan, c'est 33 850, si le marché veut bien nous offrir ce niveau, ou 30 000. Et derrière, pause sortie par le bas du range, comblement du gap, on repart à la hausse. Pour l'instant, c'est un scénario que je surveille, mais on n'en est pas encore là. Effectivement, en données daily,
Je ne suis pas convaincu quand je vois, voilà, Tenkan, on tente la percée du nuage, très bien. Si on arrive un peu plus haut, Shiku va buter contre Kijun, Tenkan, Kijun, MM50. J'ai clairement pas envie d'être acheteur. Autant être acheteur en bas, oui, il y avait de la place, on était gêné par absolument rien. Malheureusement, il n'y a plus le signal. Peut-être que certains ont quand même tenté sans signal, c'est risqué. Mais maintenant qu'on est ici, j'attendrai la cassure de ce niveau de convergence pour aller chercher les 44 000. Voilà. Là, la hausse me paraît limitée, on peut très bien retomber, auquel cas, si on retombe, eh bien on aura de nouveau une opportunité pour tenter quelques achats. L'Ethereum, pour le coup, a donné la zone. On est venu chercher la bande basse et notre oblique. Je vais nettoyer un peu. Tac. Enlever ça. Voilà, j'avais tracé la parallèle des deux points hauts ici avec ce point bas, comme sur le BTC, et on est venu chercher au point près. Donc là, pareil, peut-être que certains d'entre vous ont tenté. C'était effectivement un beau niveau avec un stop loss, je vous disais, sous les plus bas, normalement. Ouais, on l'avait placé ici, à peu près. Donc, si certains ont tenté, eh bien, bravo à vous. Ok, je regarde les deux, trois trucs du point de vue de l'Ishimoku. Bon. Ouais, il est passé, on a fait l'incursion sous les 50, mais cette Kijun est vraiment pertinente. En données, ok, c'était le bas du nuage. Bon, bah, le bas du nuage coïncide avec l'oblique qui passe. Si certains ont tenté des achats, bravo. En tout cas, zone de nouveau très réactive. Cette fameuse parallèle. Maintenant, c'était un niveau qui m'intéressait. Si on doit retomber plus bas, on attendra plus bas, ou encore plus bas à 1700. Voici les trois zones qui m'intéressent pour payer l'Ethereum. Donc, on est venu faire cette zone-là. Zone intermédiaire, on est même repassé. Mince. On est même repassé au-dessus de notre gros. Finalement, on a juste fait une incursion sur mèche, on est repassé au-dessus. Donc là, le but, c'est d'aller chercher l'AMM 50. Juste ici. Si certains d'entre vous ont tenté les achats, mise à bas du stop. Objectif MM50. Et si effectivement on est bien dans un range, eh bien espérons qu'on ait une belle rotation complète des prix pour aller chercher derrière les 3250. Voilà un peu la phase de consolidation qu'on pourrait avoir finalement sur l'ensemble des crypto-monnaies. J'ai beau regarder pas mal de graphes et je constate qu'on a une grosse phase de range qui est en train de se mettre en place sur pas mal de cryptos. Par conséquent, soit on pourra avoir un beau range de consolidation, soit un espèce de double creux qui est en train de se former, et auquel cas la cassure des 3250 relancerait la dynamique de fond de long terme qui reste haussière. Par contre, si on casse ce niveau, ça risque d'être compliqué. Pour l'instant, ça tient, donc il va falloir, dans les prochains jours, travailler ce range sur les différentes zones pour tenter de se positionner dessus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Pour rappel, je suis absent lundi, donc pas de briefing des marchés, on se retrouvera à partir de mardi. Passez un excellent week-end et à très bientôt pour un nouveau point complet sur la planète Finance.